Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un nouveau stream du dimanche. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours Nils. Et pour aujourd'hui, eh bien, ce que j'ai prévu, c'est d'aller faire joujou avec des conteneurs. Salut à toi, Boubou du 40. Alors, je vais baisser un poil la musique. Hop. Voilà. Bon, peut-être pas trop non plus. Hop, voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai, entre guillemets, prévu? En fait, prévu, pas vraiment. Alors, je sais que certains ou certaines d'entre vous sont peut-être habitués à mes lives du dimanche qui, historiquement, étaient beaucoup plus préparés, où j'avais vraiment un énoncé, un scénar, un truc que je suivais vraiment un peu à la lettre. Mais là, on va revenir dans des trucs moins, comment dire, où je suis moins en position de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Salut à toi, Kenny. Et plus dans la découverte, en fait. Je suis pas en mode je maîtrise ce que je vais faire ces prochains dimanches. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Le mien fut excellent, j'ai envie de dire comme d'habitude. Le truc avec lequel j'ai envie de m'amuser pour cette vidéo, c'est Podman. Et alors, Podman, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, je suis tenté de dire que si on regarde leur site, eh ben, en fait, c'est un moteur de conteneurs, en fait. C'est un moteur de conteneurs sous Linux, qui permet donc de créer et de gérer ses propres conteneurs sous Linux. Et ce qui est assez marrant, c'est que, comme ils indiquent sur leur site, je vous montre un peu la page là, hop, voilà, je vais vous la mettre là. En gros, dans les grandes lignes, en termes de ligne de commande, en fait, Podman, c'est comme Docker. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre... oui, je l'ai mis dans le titre du stream. Alors, je l'ai pas mis dans le titre du stream là-haut. Par contre, dans le titre du stream au niveau Twitch, et j'essaierai peut-être de le faire quand la vidéo ira sur YouTube, et ben j'espère préciser que Podman est un Docker-like, j'ai envie de dire. En tout cas, pour ce qui est de... Mais attendez, je suis à la ramasse, moi. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça, si je vous montre le site. Simplyput alias Docker égale Podman. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien du projet dans le chat. Et je vais le mettre aussi dans le canal Discord de la chaîne Twitch. Tout le lien du live, podman.io. Salut à toi, Hightech Lab. Alors, avant de me lancer dans des trucs avant de rentrer, j'ai envie de dire dans le vif du sujet sur Podman, ce que je vais faire, c'est je vais créer une VM, en fait, dans laquelle je vais faire joujou avec Podman. Parce que, au cas où, si jamais je commence à bidouiller des trucs un peu trop peut-être low level, j'ai pas envie de dézinguer ma machine de stream. Donc dans l'immédiat, on va commencer par créer une VM. Et je vais faire cette VM sous Fedora parce que c'est un peu mes habitudes. Je me suis dit que j'allais reprendre des trucs que j'avais fait sur une autre machine parce que j'avais créé, voilà, je m'étais amusé à créer, alors je vais faire un petit peu de Cloud Init, j'espère que ça embêtera pas grand monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à ce niveau là dans mon répertoire libvirt, j'ai un truc boot ici avec mon image. Alors oui, il y a des images Windows, mais il y a surtout une image Fedora Cloud qui peut être intéressante. Et tiens, d'ailleurs, j'ai laissé traîner des Fedora CoreOS. Alors, on jouera pas avec CoreOS tout de suite, je pense, à moins que vraiment j'aille très vite. Mais c'est un peu dans mes...
C'est un peu dans les trucs que j'aimerais. Non, pas CP, je vais faire un MV. Hop là. Hop là, MV-V. Hop, ce sera très bien. Oui. Hop. Ah, fichtre. Ah, fichtre, j'ai fait l'idiot. Bon, c'est pas grave, je vais faire sauter le... Hop, allez, ça commence bien, hein. c'est pas l'extase aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave, hein. Je recopierai les images une autre fois. Mais je voulais commencer par créer une VM. Et pour cette VM, ouais, je voulais le mettre dans le répertoire. Je vais faire un petit dire cloud init. Hop, et dans le cloud init, on va créer une machine qu'on va appeler pod. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Podder, tiens. Je sais pas si c'est... oh, quoi qu'on sait jamais. Des idées comme ça, ça risque d'être... ça risque de poser problème. On va l'appeler PodTest, tiens. Hop, avec un mkdir devant, ce sera pas mal. Et puis, je vais recopier mes histoires de metadata et de userdata. Tiens, je l'ai fait sauter, celui-là. Voilà. Hop. C'est init 2. C'est init 2. Et on va aller. Hop. Alors je fais ça juste parce que j'ai toujours pas mémorisé. Pourtant, ça fait un petit moment que je commence à faire. Que je fais du cloud init sur cette chaîne. Mais généralement, le metadata, je le crée une fois et après, je me. Hop, et on va l'appeler, donc, on a dit pod test, c'est ça, pod test, voilà, là aussi, pod test, et pareil ici, pod test, hop. Ensuite, on va créer un user data, hop, et le user data, user-data, voilà. Permission denied. Permission denied parce que je veux faire un cat, je veux pas faire un hop, voilà. Alors si je commence à oublier de faire des cat et des MV et des CP ou des CD parfois, le stream risque d'être beaucoup plus folklore que prévu. Salut à toi Lucas Schnell. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu vas bien. Cette paste. Hop, voilà, on sait jamais. Oui, paste anyway, Ah, c'est parce qu'il y a un SSH ou quelques trucs. Ok, bon, t'embête pas. Hop, on va revenir là-haut. Celui-là, on s'en fiche. Hop, alors le package update et le package upgrade, on va pas les mettre. Voilà. Tout ça, c'est bon. Il y a juste la clé SSH que je vais... 4.ssh tilde, ce sera pas mal. Hop, tilde slash point, point ssh, voilà. Et ID, est-ce que j'ai fait une clé ECDSA? Non, j'ai toujours une clé RSA là-dessus. Et ben écoute, ce sera une clé RSA, voilà. Hop. Voilà. On va dire juste Streambox. Je n'aurai pas besoin d'un utilisateur Ansible, donc ça dégage. Voilà. Et mon histoire de swappiness, tout ça, c'est bon. On va pas forcément mettre de fail to ban, hein, il n'y a pas à s'embêter la vie. Hop. Puisqu'on sera purement en local. Ce qu'on va faire par contre, c'est que on va installer FirewallD. Hop. Swappiness, nmcli. Alors, vu qu'on est sur de la VM classique, est-ce que je vais. Ouais, si, je vais quand même lui setter l'IP. Hop. Et la gateway sera. 192.168.122.1 et le DNS, bah, ce sera la même chose.
Hop. 192, 68, 102. Hop. Le DNF installe, le RPM fusion, ça, on s'en cogne. Le fight to ban, bah, il est pas installé. Et normalement, ça, ce sera pas mal. Donc maintenant que ça c'est fait. J'ai une image cloud de Fedora 36 qui est là, qui est l'image cloud que j'utilise d'ailleurs dans mes streams du jeudi sur, sur Terraform. Donc si ça vous, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu les streams des jeudis, n'hésitez pas à y faire un tour. Et je voulais... Hop. Je vais peut-être pas m'embêter la vie. Ouais, je vais le faire en... Hop. Ouais, non, je vais le mettre dans un script shell quand même. Histoire de copier-coller tranquillou. Hop. Allez. Install podtest.sh. Alors, idéalement, j'aurais aimé préparer ça. Pourquoi j'en ai deux? J'ai fait un copier-coller de trop, je crois. Hop, voilà. Hop là. On va l'appeler donc podtest. Alors, d'habitude, j'essaie de préparer ce genre de choses, mais je me suis dit que là. Ça pourrait être intéressant déjà de commencer avec la VM. 4 gigs de RAM, ça devrait être amplement suffisant. 4 vCPU aussi. On pourra limite mettre 2. Ce sera une Fedora 36. On va faire un import. Ouais, on va faire un import. Je vais copier la VM. Et on va lui mettre... Salut à toi, Killator. Bienvenue. On va l'appeler podtest aussi, format QK2, tout va bien. Network, et ben ce sera default. Hop. Je vais pas la mettre en bridge ou quoi que ce soit. Et pour les metadata, remarque, du coup, je peux la mettre dans mon propre libvirt. Hop, allez. Ce sera dans home, nils, libvirt. Et là, pareil, ben on va pas s'embêter pour 100s. Et on va remplacer tous les varlib. Hop. Par slash home slash nils, hop, voilà. Salut Manon, non t'inquiète pas, j'ai commencé à la bourre ce soir, on a commencé il y a un quart d'heure. On va virer ces trucs là à la fin, hop là. Alors Manon Podman, pour résumer, c'est un Docker-like. Ça finit quand? Bah écoute, d'habitude mes streams font à peu près 2 heures. Déjà là, je vais popper une VM pour installer Podman dessus. J'ai ma définition de VM, faut juste que j'aille créer. Hop. On va faire un petit rsync-avp comme d'habitude. Sparse au cas où. J'aime bien faire mes stats progress sur mon rsync. Et on va dire boot Fedora Cloud Base. Et on va le mettre dans images slash podtest.qco2. Voilà. Bon, l'image étant relativement légère, hein, elle fait combien? Elle fait 400. Elle fait même pas 450 mégas. Donc là, normalement. Bon, install pod test, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, allons-y. Ah oui, relativement. Salut d'ailleurs, Haribo. Install pod test. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit d'aller me faire voir. No such file, omnil, slipvirt, boot cloud. Ah oui, non? Comment ça? Omnil, boot. Ah bah oui, c'est cloud init. Ah, j'ai oublié le... j'ai oublié de l'appeler podtest, effectivement. Hop, j'ai fait la même bêtise que dans mon fichier d'avant. Donc, ici, podtest, hop. Et on va aller ici, et on va rajouter podtest. Hop, voilà. Network not found, default. What? J'ai pas de default non. Ah c'est... Bah pourtant c'est default. Hein. Network default. No network, we match in default. What the hell?
Network égale default. Alors, est-ce celui-là pourtant? Si je suis un petit sudo. Ah, mais. Ok. Sudo, voilà. C'est qu'en fait, le réseau default, ouais, il est pas accessible. Voilà, ça y est. Elle démarre la VM. Et puis, on va lancer le cloud init, normalement. Bien, bien, bien. Ça démarre. Alors, normalement, le cloud init étant assez basique, je dois pouvoir faire un hop, nils, password. Oups là. Ouais, je suis dessus. Alors, je suis dessus, mais j'ai pas envie de rester sur la console locale. Donc, je vais me mettre ici. Et puis, on va faire un SSH 68.122.122. Alors, libvirt, on a dit boot, cloud init, podtest, user data. Et est-ce que je lui ai mis 122. Ah oui, mais du coup, vu qu'elle a d'abord démarré en DHCP, elle est pas. Voilà. C'est pas instantané, cloud init. Va falloir que je me le rende dans la tête quand même. Hein. Va falloir que je fasse ça à grands coups de répétition. Cloud init n'est pas instantané. 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 Je me suis arrêté juste pour pas vous embêter. Hein. Boum, 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 boum. Je pense que normalement, là, vu qu'il en est à... Hop là. La répétition fixe la notion. Ah, c'est marrant, ça, comme... Moi, je me rappelais de répétition et mère de pédagogie. Ah bah voilà, tac. Tmux commande notre farm. Ok. Bon, alors, au cas où, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, hey, au fait, pour les prochaines fois, tu m'installes Tmux et je pense qu'on va en avoir besoin. On va rajouter Git Core au cas où. Hop. Mais on va revenir là. This is the way. Ok, il a l'air d'avoir... Non, il n'a pas fini, vu qu'il devait me rajouter... Il devait me rajouter... Alors, il a installé Firewall D. Alors, si je suis un petit sudo dnf-y install git core tmux. Je vais juste installer mon petit confort dans un premier temps, et puis ensuite, on va installer Podman pour de vrai. Je voudrais juste récupérer mes fichiers adorés, mon petit confort, voilà. Alors, on va aller dans GitHub, hpnils, voilà, git clone, bim. Et est-ce que j'aurais besoin de shell check? Non. Est-ce que... Ouais, bon, allez, YOLO, vous savez quoi? Sudo dnf -y install make. Voilà. Et bon, on va faire make rpm deps. Hop. Et make install. Voilà, comme ça mon petit confort, il est prêt. C'est toujours pratique d'avoir son petit confort accessible avec, avec deux commandes make. Nickel. Donc si je me déco et que je me reco, c'est lumineux. Si je fais un petit tmux, c'est comme à la maison. Super. Je peux faire un petit sudo htop et j'ai mon htop. Ok, nickel. Parfait. Voilà, bon, ça nous a pris combien de temps? 20 minutes. 20 minutes pour se popper une petite VM comme ça, et il y a, y a Podman dessus. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un sudo reboot, hop, histoire de voir si ça... nanana, ok, alors ça, j'enlève, et normalement, j'ai ici mon podtest qui est shut off. Comment ça, shut off? Il démarre? Hop là.
Voilà. Sudo vir sh list podtest running. Cool. Nickel. Donc j'ai toujours mes 4 VCPU, mes 4 gigs de RAM. Ok. Est-ce que Firewall détourne? Ouais, Firewall détourne. C'est Firewall CMD, je crois, au moins state. Running. Ok, nickel. Nickel. Est-ce que si je fais un petit RPM moins QA PipeGrep Podman, on s'assure que il n'y a rien pour le moment. On s'assure qu'il n'y a rien pour le moment, tout va bien. Maintenant. Bah, sudo dnf search podman. Donc on va aller vérifier que podman existe du côté des repos Fedora, et c'est globalement le cas. Et un petit truc avec lequel je pourrais peut-être essayer de jouer tout à l'heure ou une prochaine fois, c'est cockpit. On verra après si on peut jouer avec, mais déjà dans un premier temps, juste podman. Donc on installe podman, jusque là toi. Oh, il y en a quand même de la dep, dis donc. Common, container SE Linux, oui ça je comprends. Container commons, ok. Et des trucs que je connais pas. LibBSD, tiens, je suis curieux maintenant. Est-ce qu'il l'a installé? Info libbsd. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Library provisioning BSD compatible functions for portability. Oh, c'est classe ça! C'est pratique! C'est pratique ça! J'aime bien l'idée, alors. J'aime bien l'idée, d'autant plus parce que. Et c'est vrai que j'en ai pas fait pour l'instant sur cette chaîne, j'ai quand même un certain biais envers les systèmes BSD. Mais c'est quoi? C'est une bibliothèque C? C'est quoi? Bon, je m'éloigne un peu du sujet du stream, mais. Ouais, ça ressemble à du C. Ok. Mais c'est classe d'avoir fait une lib de compat, c'est cool. Ah, et puis en plus ça indique où est-ce que le packaging est dans les dernières versions, c'est cool ça. J'aime bien moi les projets qui mettent ce genre de choses là. Ok, très bien, allez, revenons à nos moutons, et puis d'ailleurs, ça va être bien que je vous montre ça. Un petit site fort sympathique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Server World. Et qui contient plein de petits tutos intéressants, alors en anglais, mais en anglais ou même en japonais, et pour pas mal de distrib, pour certains trucs. Et là, je m'en inspire pour Podman. Voire même, je vais le suivre dans un premier temps. Je vais d'ailleurs l'envoyer sur les liens du live pour si jamais vous voulez suivre les liens du live, si vous voulez les récupérer après un live, vous pouvez toujours me rejoindre sur le Discord de la chaîne. Discord de la chaîne qui est normalement disponible par là. Et si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh ben, après avoir regardé, normalement j'aurais dû indiquer le lien dessous. Mais que ce soit pour le Podman ou pour le lien vers le Discord. Tant que vous y êtes par là, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que les vidéos sont assez irrégulières. Ceci étant dit, on a installé Podman. Et alors, un truc qui va... moi, que j'ai remarqué du peu que j'ai essayé Podman, ce qui est assez chouette, c'est que si jamais je vous fais un petit RPM moins Q... on va dire un QIL, tiens, de Podman.
Ouais, bon, d'accord. Allez, Pipeless, voilà. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit, qu'il y a des services, mais qu'il n'y a pas forcément besoin de tout, tout démarrer dès le début. Puisqu'il se veut dans l'absolu Daemonless, comme ils disent, je crois, sur la page du... C'est ça. À la base, ils disent Daemonless. Donc, il y a des services systemd, mais à mon avis, ils sont optionnels. Bon, maintenant qu'on a installé le moteur de conteneur, et ben on va peut-être... Oups, qu'est-ce que t'as fait toi? Hop, voilà. On va peut-être démarrer un conteneur, hein. Une demi-heure après le début du stream, démarrer un conteneur, ça peut être une bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en dites? Le truc, c'est que a priori, on fait comme avec Docker. Et donc, a priori, je peux faire un petit podman pool Fedora, qui va aller me chercher un conteneur. Ah oui, alors non. Non, hop. Fedora avec un seul A. Hop, donc là, il l'a récupéré. Et ensuite, on peut lancer un podman, comme ça, run-it, on va dire fedora, slash bin, slash bash. Could not find sleep for NetNS, the network name. What the hell? Faut que je déco, faut que je reboot, c'est quoi cette blague? On m'aurait menti sur, sur podman? Hop, non, toujours pas. Alors c'est exactement la raison pour laquelle je voulais faire ça dans une VM à part. Parce que si ça se trouve, ça je l'ai déjà sur ma machine bureau. Si je vais ici, rpm-q. Non, pas ça. C'est quoi SLIP. SLIP. Effectivement, je l'ai. En plus, c'est une version bêta. Je vais l'installer, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais je trouve ça assez étonnant. Salut à toi, Rancune. Ah, bah voilà, je suis dedans. À noter que pour l'instant, je suis en simple utilisateur. Hein. Donc mon conteneur là il tourne normalement Hop, j'aurais bien aimé voir un truc. Pop. Nils Podman. Nils Podman run-it. Ok, ça c'est bon. Donc je suis pas. Il démarre pas un truc en route avec un sudo ou un truc. Là on a quoi? Conmon, ok, avec plein de choses. Et mon grep. Ok, donc a priori, il lance tout en étant vraiment, vraiment sans droit custom. D'ailleurs, on voit même, il a lancé un truc, moins API version, moins R, un truc. Omnils.local share containers storage overlay, un UUID, je suppose, avec un user data, un slash run quelque chose, bon ça, ok. Mais a priori on a que des trucs. J'essaie de regarder s'il y a un varlib quelque chose ou un autre truc, mais non, a priori il va écrire nulle part où c'est enfin à part les slash run, mais ça c'est normalement c'est pas ultra gênant, et puis à chaque fois user voilà. Et il fait jouer avec, effectivement avec les ses groupes. Bon, c'est assez cool. C'est assez cool. Donc niveau droit, pour le moment, c'est assez propre. Enfin, je trouve. Ok, donc là, on a, j'ai mon conteneur. Si je fais... Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement... là, je suis dans ma VM. Si je fais un rpm-q de firewall D. Enfin, firewall CTL, peut-être. Non. Firewall D, voilà. Et si je vais là et que je fais un rpm-q firewall D, j'ai pas. Donc très clairement, là, on est dans le conteneur. Ce que je peux faire, d'ailleurs, de la même façon qu'on faisait un Docker PS, je peux faire un podman PS. Et là, on voit que j'ai
Beautiful Hellman, ok. Les noms des conteneurs, que ce soit Docker ou Podman, me font toujours hurler de rire. Je sais pas, il doit y avoir un... Genre, ils ont deux bases locales, enfin deux listes, avec d'un côté des adjectifs, de l'autre côté des noms, et puis vas-y, je mets au pif au maître les uns les autres. Et dire que je trouve à des fois les noms des releases Ubuntu un peu comiques, mais là... bref. Alors, je vais quitter mon conteneur, hein, et on peut faire éventuellement un truc du genre... juste un run Fedora comme ça, et on va lui mettre slash bin slash echo yolo, et donc le truc me echo yolo. Donc j'ai lancé un conteneur juste pour faire un echo yolo. C'est un peu overkill, mais ça marche. Et d'ailleurs là aussi l'autre truc, c'est que si je fais ici que je fais un uname-a, hop, 5, 17, 5, et puis si je viens ici, uname, moins a. D'ailleurs, ce qui peut être drôle aussi, c'est que je peux faire un petit docker pool. Il est où mon docker pool? Ici, on va faire Debian, tiens, on va rien. Ah oui, tiens, je voulais aller revoir ça, là. Hop, les short names. Copier. Hop. Alma Linux, nanana, docker.io. Oh, d'ailleurs, voilà, hein, les images proviennent de Docker. Ou des fois d'autres trucs. Genre CentOS, ça vient de chez Quay.io. Je suspecte que Quay.io, ça va être un truc concurrent des de là où on va chercher les images Docker, non? Je serais pas surpris que ce soit un projet Red Hat. Et oh bah tiens alors, il y a écrit Red Hat juste avant Quay.io. Quay builds, analyze, distribute sur container images. Try for free on cloud. Ah. Red Hat Quay.io, hosted in cloud and scales with you. Present. Runs privately anywhere. You can run a container. Fixed price for unlimited users and repositories. Ouais. Ah, d'accord, quand ils disent gratuit, c'est parce qu'en fait, il y a un essai de 30 jours. Ça pourrait être une idée. Parce que j'aimerais bien essayer de créer des conteneurs custom, mais je pense que ça pourrait être une idée. Ah non, il y a écrit quoi en dessous? Unlimited storage and serving of public repositories. Donc a priori, si je fais des trucs open, je peux utiliser Quay.io. Et ça, c'est quoi Red Hat Quay? C'est genre le truc avec un support un peu plus... non? Ah non, c'est un registry, ok. Ah mais d'accord, ouais, en fait... Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que pour le moment, Quay... en gros, soit c'est chez Red Hat, enfin, soit c'est le produit de Red Hat qu'on veut héberger nous-mêmes, et dans ce cas-là, ben, faut payer, soit faut aller utiliser Quay.io. Je suis en train de me dire, Red Hat nous a habitué à faire de l'open source, donc où est le code source là? Show us the source. Vous savez, il y a show me the money, et ben là moi je suis en mode show me the source quoi. Alors au pif, sudo dnf, si jamais je fais une recherche de... Alors, je sais pas si c'est avec ce nom-là que le truc existe, mais... gna gna gna, data quay, non. Non. Alors, manage cookies, ouais. Ah, oh, punaise, c'est quoi encore ce... Oh, vous êtes relou là, avec les... On veut des cookies, mais genre...
404. Bon, alors, on va la refaire autrement. On va faire, hop, tu viens là. Maintenant, tu me balances ton truc et moi, je dis, chute. Voilà. Alors. Ouais, bah oui, Docker. JFrog Artifactory, Arbor, Nexus Repository Manager, Azure Container Registry. Ouais. Better at Meeting Requirements. Docker. Ouais, bon, à chaque fois, c'est pour des trucs en mode hébergé dans le cloud. Donc, si je veux monter mon propre registry en local, bon, il va falloir que je trouve quel est le projet upstream de Red Hat Quay, en fait. Je regarderai ça peut-être à un autre moment. On va éviter de brûler les étapes. J'ai l'impression que je brûle les étapes ce soir. Enfin, bref, toujours est-il que pour le moment, je voulais rigoler en installant une des... Enfin, en lançant un conteneur Debian. Voilà. Debian 11.3. Si je fais un petit apt-y install NeoFetch. Est-ce que NeoFetch est dispo? Enable to... On sait jamais, hein. Ouais, allez, vas-y, installe-moi les masses de dépendance pour NeoFetch. Qu'il y a d'autre? Arch Linux, Nunia, Docker, bah oui, Alpine, forcément. Fedora Minimal. Ah, il y a Fedora Minimal. Marrant. Ouais, et Fedora a son propre registry. Hop, et là, si je fais un petit NeoFetch, voilà, une Debian. Alors, je vais quitter le truc là. Voilà. J'ai une Debian, et ce qui est assez marrant, je trouve ça très drôle. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça très drôle. Donc j'ai un conteneur Debian, d'accord, avec un kernel 5.17.5 FC36. Voilà, j'ai une Debian avec un kernel de Fedora. Ça me... Voilà, ça m'amuse. Je trouve ça amusant. Et il y a 164 packages, ouais. J'ai dû en installer une centaine rien qu'en installant NeoFetch. Voilà. Ah, je... Voilà, ça... Bon. On s'amuse comme on peut, hein. On juge pas, tolérance, tout ça. Oh, allez. Enfin, non, mais il y a rien à juger. Moi, je trouve ça juste amusant. J'ai une distrib et j'ai le kernel d'une autre. Et d'ailleurs, c'est limite ça, d'ailleurs, comment dire, que je trouve un peu limite, en fait, avec les conteneurs, c'est que bien souvent une distrib Linux, alors peut-être que je me prends la tête pour pas grand chose, mais je trouve ça bizarre que quand on a un conteneur de certaines distrib Linux, il manque, enfin je vais pas dire qu'il manque, mais les versions de noyau, je sais pas à quel point une distrib est dépendante de son noyau. Parce que typiquement, là par exemple, je suis sur une Fedora. Donc si je fais un petit get enforce par exemple, SE Linux est en mode enforcing. Et puis quand je refais je suis dans ma Fedora là, et si je fais un get enforce, ah, j'ai pas get enforce, tiens. Ok. Donc ils ont pas de... Il y a un lib SE Linux. Mais j'ai même pas d'SE Linux activé dans mon conteneur Fedora. Tiens, c'est marrant ça. Et si je vais chercher une CentOS par hasard. Alors, Haribo qui nous dit, a priori, pas de dépendance sauf accident. L'idée, c'est que la glibc se charge de la liaison kernel-userland. Et Rancune qui dit, bah, ça dépend, non? Genre, systemd, il peut te demander une version mini, non? Peut-être. Peut-être. Hop. Et si je run ma CentOS si je fais un petit LSB... Non, LSBLK, donc 4 ETC... CentOS release. Oh, tiens, c'est une CentOS 8, c'est pas encore une 9. Oh, je suis surpris. Donc je fais un uname -A, bien entendu, il me répond kernel Fedora 36.
Et je suppose que si je fais un get get env, non get end. Lib SE Linux. Si systemd fait des appels kernel direct, c'est qu'il est pire que je ne pensais, nous dit Haribo. Je ne sais pas du tout si systemd fait des appels kernel direct. Je serais assez surpris qu'il aille off. Bref, toujours est-il que c'était, enfin, je me posais la question en fait avant de faire ce stream en réfléchissant durant la semaine en me disant tiens je ferais bien du conteneur et je me posais toujours la question si jamais j'ai ma machine sous CentOS et que je fais un conteneur Fedora, est-ce que le fait que la CentOS ait plusieurs versions de kernel de retard, est-ce que ça risque de gêner? De la même façon, les histoires SE Linux ou Apparmor ou des trucs comme ça. Mais a priori, en tout cas dans les conteneurs là, que je viens de voir, Fedora CentOS, le SE Linux n'est même pas prêt. Enfin, il y a la bibliothèque pour le gérer, mais ça n'a pas l'air d'être activé. Si je fais un ls-hlz de slash par exemple. Ah si, il y a quand même les. Mais je serais curieux. Alors, il faudrait que j'installe une Debian, du coup, quelque part. Je serais curieux de tenter d'installer un conteneur Fedora sur une Debian ou sur une Ubuntu et de voir si, si jamais... alors, la question qu'on peut se poser, c'est du coup, est-ce que par hasard, Debian et Ubuntu ont un minimum de gestion de SE Linux? Je sais que les deux distrib sont partis côté Apparmor pour cette couche-là de sécurité, mais ça veut pas dire qu'il ne gère pas... C'est d'ailleurs question à la con, si je fais un sudo dnf search apparmor. Est-ce que apparmor est dispo dans Fedora? Non. C'est SE Linux or die. ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller faire comme bêtise avec, avec tous ces conteneurs? Moi, je vous avoue que dans l'idée que j'ai de faire joujou avec Podman, je pensais faire des trucs, genre essayer d'avoir un conteneur avec un site web dedans. Dans l'idée, en fait, d'essayer de conteneuriser des sites web. Et pourquoi pas ensuite d'aller faire joujou, alors comme vous m'avez vu tout à l'heure j'ai effacé des images CoreOS, mais je pourrais envisager ensuite de faire joujou avec CoreOS. Rancune qui nous dit il ouvre au moins une socket à l'écoute des messages kernel pour la gestion des devs. Je sais pas si ça induit une dépendance chiante ou si le format n'a pas changé depuis Mathusalem. Ouais, ça peut dépendre effectivement de la... ça peut dépendre. Mais après, j'ose imaginer que ce genre de choses-là ne change pas d'une release de kernel à l'autre. Je me rappelle, il y a très longtemps, dans une... genre, je vais pas dire dans une ancienne vie, mais... quand j'ai démarré à me faire de l'auto-hébergement, au début, sur mon serveur dédié, j'avais installé pas mal de choses en les compilant à la main. Notamment un logiciel de gestion de mail qui s'appelle Qmail, que peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent, au moins de nom. Et en fait, Qmail est très puissant, mais en fait nécessite beaucoup de patchs. Et donc, utiliser Qmail depuis une version packagée, pour peu qu'il en existe, c'est pas forcément très. C'est pas forcément évident. Je me retrouvais avec de temps en temps quand je faisais des mises à jour de ma Debian, parce qu'à l'époque j'utilisais une Debian pour ça, et quand je faisais ça, de temps en temps j'avais une mise à jour de la glibc, et résultat des courses, mon serveur marchait plus. Et je me farcissais le rebuild de tous mes trucs. Et c'était d'un... comment dire... Ah, c'est une plaie. D'ailleurs, la preuve, j'ai très vite arrêté et je suis passé à autre chose. En tout cas, pour la gestion des mails.
Ah, Ribo qui nous dit en général les gens du kernel détestent les changements non backward compatible, donc en français qui ne sont pas compatibles avec, avec ce qu'il y avait avant. Ça me dit un truc parce que je crois qu'il y a quelqu'un une fois qui avait introduit un changement comme ça, qui avait fait un patch qui résolvait un bug, mais le problème c'est qu'il y avait des applications qui ne se lançaient plus correctement. Et le mec était en mode non mais c'était un bug, enfin ils exploitaient un bug du kernel, donc c'est à eux de changer leur comportement et de changer leur code. Et Linus Torvalds lui est tombé dessus à bras raccourcis, bien entendu en public, sur la LKML, en mode non mais quand y a un programme qui utilise une fonctionnalité du kernel, et il faut absolument que cette fonctionnalité reste là quelque part. Ah, il disait pas ça comme ça, mais il était en mode non, si l'appli marchait avant et que l'appli marche plus, c'est la faute du kernel, donc il faut que tu changes ton truc. C'est jamais la faute de l'appli. Hop, allez, on s'hydrate. Et Rancune qui nous file un lien vers le repo GitHub de Systemd. Du README d'ailleurs. Voyons voir ça. Je vais aller l'afficher, hop, dans le... Hop, on va se le mettre comme ça. Comme ça. On va zoomer un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit système... Ah, c'est systemd.io, le site officiel. Ok. Requirements. Donc, a priori, la version, la dernière version de systemd nécessite au moins un noyau Linux 3.15. Et pour les capabilities, 4.3. Et pour toi, dépendance raisonnable à 4.15. Alors. Donc à partir de 4.15, on a tout ça. Enfin, on a en fait... non, c'est juste qu'on est comme ça. En fait, à 4.15, on a tout ça. Ouais, donc en gros à partir d'un 4.6 on a les C-groupes. CentOS Stream 8 est sur un 4.18 de mémoire. Je crois. Donc en gros, ouais. En même temps, après, la version de systemd est accordée hein, sur CentOS Stream. Kernel version below 4.15 have significant gaps in functionality. Oh, with this version of systemd. Ok. Taint flag old-kernel will be set. Ok. Ouais. Je vois. En même temps, avoir une version de systemd super, super récente et un kernel très vieux. Parce que si on va sur kernel.org, la version la plus vieille encore maintenue du noyau. Sérieux, il y a encore une 4.9? Il supporte encore la 4.9? Est-ce qu'on a une fac sur les... Alors, les releases. Hop là. Alors, la 4.9, elle sera... Donc là, on parle vraiment du noyau, du support du noyau. Quand vous le téléchargez, vraiment depuis kernel.org. Et donc, on serait à janvier 2023 si quelqu'un tourne avec un noyau vanilla en 4.9. Ce qui est peu probable, à moins d'avoir une genre une Linux from scratch ou un truc dans le genre, ou d'avoir un noyau custom, ce qui peut exister, hein, ça peut exister. On peut très bien avoir des gens qui ont une distrib classique et qui ont un noyau custom. Hein. Alors, Rancune, qui nous fait sa conclusion personnelle. Peu de chance que ça pose problème sur les images Docker.
mais ça semble pas une bonne pratique si changement de version majeure du kernel. Effectivement. Après, ce que je me dis, c'est que en gros, dans les grandes lignes, la plupart des gens qui font tourner des conteneurs sur leur desktop ou leur laptop vont avoir une distrib Linux relativement récente. Donc ça va être généralement, j'ai envie de dire, dans le pire des cas, si je peux me permettre, pire des cas, une Debian stable. Et aujourd'hui, une Debian ou une Debian old stable, on va dire une Debian 10, et une Debian 10, aujourd'hui, c'est noyau 4.19. Donc si je regarde noyau 4.19, on me dira, de toute façon, la version de systemd sera accordée avec, mais globalement, en 4.19, on a tout ça. Et on sera au-dessus du 4.15. Donc, la plupart des conteneurs devraient pas poser problème, même si on fait un conteneur en Fedora. En Fedora, genre 36. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ouais, le 4.9 est encore supporté jusqu'à la fin d'année, quoi. Début d'année prochaine. Le 4.14, encore un an plus tard. Le 4.19, pareil. C'est bon à savoir, ça. Bref. Donc, a priori, c'est pas si gênant que ça. Bon, après, pour l'histoire de l'ESO Linux, là, on a les labels. On pourra essayer, hein, ces quatre, de voir si on a quand même les labels sur une Debian. Bon, c'est pas tout, mais moi, ouais, je voudrais essayer de créer un conteneur et de mettre au moins, genre, un Nginx, et puis, pourquoi pas, un site statique. Pour le moment, on va essayer de faire joujou avec encore Podman un peu. Un truc qui peut être marrant, c'est... Alors, ça fait un peu comme... si je fais... Donc, si je fais ça, donc j'ai mon conteneur, ok. D'accord. Et si je fais un truc genre avec le D pour le mode démon. Voilà. Et si je fais un... alors, j'allais écrire Docker, mais non, podman ps. Donc là, il tourne. Et je peux faire un podman stop. Là. Éteins-toi. Prends ton temps. Voilà, fail to stop, what? Ah, il a... Ah, ok. C'est genre, hey, j'arrive pas à l'éteindre gentiment, alors qu'il lançait juste bin bash. Ok. Donc normalement, ps, ok, il n'y a plus rien. D'accord. Et je crois que si je faisais un ps-a, on avait tout ce que j'ai lancé avant. Donc on a les Fedora, on a les Debian, on a la CentOS, ok. Ok. On peut gérer des images aussi, visiblement. Et donc là, on voit un peu les images que j'ai. Donc j'ai la Debian qui fait 129 mégas. La Fedora qui fait 169. La CentOS qui est un peu plus lourde. Ah oui, tiens, on avait cru voir tout à l'heure dans les fichiers qu'il y avait genre un Podman, une Fedora Tiny, non? Alors, Podman Pool Fedora-Tiny. Tiny, ouais, les tests. Allez, vas-y. Error. Manifest unknown. Non. Bon, bah tant pis, hein. Alors, remarque, je peux peut-être essayer celle chez Docker. Non. Bon, en fait, faut pas s'en servir, visiblement. Faut pas s'en servir. Et si je fais un pool Alpine pour le LOL? Ouais, la Alpine, elle désingue tout là, hein. 5 mégas 82. 5 mégas 82 pour un conteneur en Alpine. Sympa, non? Alors, si vous vous posez la question, Alpine, c'est la distribution Alpine Linux
qui justement, je crois, a acquis, entre guillemets, ses lettres de noblesse grâce à Docker. Parce que justement, image de base, 5 mégas. Bon, on va se faire un petit Dockerfile, puisque Podman a l'air de supporter le Dockerfile. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va faire un petit mkdir Podman, hop. Et dedans, si je fais... dedans, je vais faire un petit... Alors, on va se faire mkdir test 01. Tiens, allez hop. Non, test, hop là. Et Killator qui me dit Alpine est vraiment partout dans les containers. Ouais, je pense que pour la plupart des projets open source, ils s'embêtent pas. Après, c'est quand même intéressant d'avoir des conteneurs de distrib un peu plus classiques. Parce que je pense que quand tu es en environnement professionnel, enfin en environnement corporate, quand tu as entre guillemets une distrib d'entreprise, genre bah, typiquement, tu as pas mal de grosses orgas qui sont maqués avec Red Hat, vaut mieux que leurs conteneurs soient en Red Hat. Parce qu'ils ont toute leur calif qui est calé sur toutes les versions Red Hat et compagnie. D'ailleurs, je me pose la question comment le licensing de Red Hat fonctionne avec les conteneurs. Alors, donc, VI Dockerfile. Hop. Alors, from... Alors, je recopie hein, toujours le truc de mon sur le server world pour le moment. Je le suis un peu bêtement. Enfin, j'espère que pas si bêtement que ça. Hop, maintainer. Hop là, maintainer. HP, hop, Niels. Et on va mettre Niels. On va faire twitch.tv. juste pour mettre une adresse qui n'existe pas. Hop, run. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va faire un DNF. Ouais, on va faire comme le truc là. J'aime bien l'idée. Install Nginx. Run echo. Alors, ce que j'ai peut-être même envie de faire. Ce qui pourrait être cool. On va y aller gentiment pour le moment. Podman, Nginx, on Podman. Oui. Voilà. Et on va aller mettre ça dans var 3w.html index.html. On va peut-être même faire un index 2 par précaution. Et ensuite, on peut faire un expose 80. Et ensuite, alors ils mettent carrément un truc en mode vas-y, lance le Nginx comme ça. Ok. Ça me plaît moyen, mais on pourra peut-être essayer de mettre un système CTL à la place. Hop. Et donc maintenant, je peux faire un podman build. J'ai dit build. Moins T. Et alors lui, il dit srv.world. Mais je ne veux pas faire un srv.world. On va faire un AHP. Slash. On va dire Fedora. AHP-Nginx. Donc voilà, dans ce cas-là, on va faire AHP-Fedora-Nginx. Hop. Deux points, latest. Hop. Et non, il va falloir que j'aille dans le répertoire qui va bien. Du coup, il faut que j'aille dans Podman test 01. Voilà. Donc là, normalement, il a créé un conteneur et il est en train d'y installer Nginx. Si je fais un podman ps... Ah non, il n'y a rien. Il a pas généré de conteneur. Putain, c'est marrant, ça. Affectionnette, lamport. Nice cray.
je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement là. Il est en train de lancer effectivement un... Donc j'ai un DNF qui tourne, un DNF install Nginx, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors est-ce qu'il a genre ouvert un truc dans un chroot? Tiens, erreur, var 3w, no such file or directory. Bah oui, je veux le créer quoi. Hein, il est pas d'accord. Donc si je fais un podman... Images, normalement, ouais, elle est pas très, successful là l'image. Ok. Bon bah écoute, on va le mettre vraiment dans var 3w html index. Hein. Allez. Voilà. Allez, tu me la refais. Non, toujours pas. Alors. Pop 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 on run -it fedora, ok, dnf -y install nginx. Je suis surpris que ça marche pas et qu'ils disent no such file or directory. Parce que normalement, il n'y a pas de raison, les redirections... alors après, c'est Dockerfile, donc si ça se trouve, il y a peut-être des règles... Il y a peut-être des règles particulières. Pour le coup, je débroussaille le sujet. Hein. Var 3w... Non, il n'y a pas de var 3w. Ah, donc c'est... Alors. Hop. Comment ça? Less not found? Sérieux? Allez, remarque, pour faire un conteneur, faut enlever tout ce qui est superflu. Hein. Ouais, user share Nginx. HTML. HTML, index.html. Ok, d'accord. Bon, bah... si tu veux. Je suis... je suis bousculé par, par le truc qui n'est pas dans mes petites habitudes. Allez. Ah voilà, là il est d'accord. Pff, Docker PS. Podman PS. Alors, remanon. Alors, maintenant, on va peut-être tenter de faire notre petit... alors, si du coup, je tente un Podman. Alors, images. Donc là, j'ai mon image. Ok, c'est cool. Et si je fais un petit Podman run moins D, moins P. Alors, je pense que si je tente un 80 comme ça, il va pas vouloir. Et je fais un... Hop. Normalement, il va m'envoyer bouler. Et ce, pour une raison très simple. Voilà. Permission denied. Rootless port cannot expose privilege port. You can add. Oh. J'aime beaucoup. Eh, au fait, si tu veux, tu peux ajouter. Tu peux ajouter le 6CTL qui va bien. Pour autoriser. Alors, je dois avouer que d'un côté, je trouve ça fantastique de pouvoir le faire, et de l'autre côté, je me dis, oh, oh, il y a moyen de faire beaucoup de bêtises avec. Il y a moyen de faire beaucoup de bêtises avec. Ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais le mettre en 8000. Est-ce que c'est au bon endroit? Oui, c'est au bon endroit. Podman PS. Ok. Si je tente un petit... moins... Ok, alors si j'utilise SS à la place de netstat, c'est parce que normalement c'est son successeur. Il faut pas que j'utilise less. Si, j'utilise less, je peux. Hop, puisque je suis pas dans le conteneur. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est voir où est le 8000. Hop. Le 8000, il est là et il écoute sur étoile.
Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je peux prendre mon navigateur ici et je peux faire un 192.168.122.122. De point 8000. Connexion échouée. Ok. Déjà, est-ce que je peux faire un ping depuis ma machine vers là? Ah mais non, je peux pas. Bien sûr que je... Non, je ne peux pas. Parce que j'ai un firewall D. Alors, ce que je vais faire pour le moment... Ah non, je vais le laisser firewall D. Alors, je vais encore mettre 3 plombes à retrouver les commandes pour autoriser le service. Firewall CMD. Déjà, on fait un petit help. Ok. Et ce que je veux, c'est ajouter le service. Et de mémoire, il y a un truc genre rate service. Hop, get service, new service, non, delete service, non. Voilà, moins add service, ok, ça va. J'ai quand même quelques... HTTP. Bah non, je peux pas. Enfin, si je peux, je vais le faire. Ça, on sait jamais. D'ailleurs, moment permanent aussi, histoire d'être tranquille. On va faire pareil avec l'HTTPS. Mais il va falloir que je rajoute le port 8080. SS-NPE par sécu. Ouais, pas mal, effectivement. Non, mais c'est bête, mais je pense que pas mal de gens comme moi ont appris à l'ancienne. Netstat-ANPE et d'autres variantes de Netstat que la politesse m'interdit de citer et que je vous demanderai de ne pas mettre dans le chat. Mais en fait, ce que je voulais, c'était pas autoriser l'HTTP et l'HTTPS, même si je les ai ajoutés pour être tranquille une prochaine fois. Mais c'était plutôt le port 8000. Et en fait, on va faire comme ça. On va aller regarder. Je sais qu'il y a plusieurs... alors, dans USRlib Firewall, je crois. On a des services. Et là, en fait, on a tous les fichiers XML qui définissent les services. Et maintenant qu'il répond, je pense encore sur cette histoire de socket stat, SS. Alors que pour nous, les jeunes, on comprend pas les moyens mnémotechniques des anciens. Oui, effectivement. Oui, oui, j'avoue. J'avoue. Mais ceci étant, éventuellement, l'autre moyen mnémotechnique, à la place de NPE, c'est moins pain, par exemple. P-A-N-E, qui veut dire panneau, grosso modo, en anglais, je crois, ou un truc comme ça. Et je peux faire un petit grep 8000, hop, dans étoile. Et a priori, il y a le service RH Satellite 6 qui écoute sur le port 8000 en TCP. Donc on va pas s'embêter la vie. Oui, on a les références qu'on a. Tiens, si je fais un sud grep au cas où 8443. Dans USRlib firewall D services étoile.xml. Forman proxy. Bon, allez, vas-y, chiche, je l'ajoute. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Hop. T'es pas obligé de m'écouter de façon sérieuse, hein, Manon. Alors pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas que j'autorise un vrai service qui s'appelle Red Hat Satellite 6 ou Forman Proxy. C'est juste qu'en fait, ces services-là utilisent ce numéro de port-là. Alors, en toute logique, je devrais regarder s'il n'autorise pas d'autres ports, puisqu'un service peut être composé de plusieurs ports. Je vais faire ça tout de suite, mais de mémoire, je pense pas que ce soit le cas. Si, celui-là, il en ouvre plein. Effectivement, j'aurais peut-être dû faire gaffe.
J'aurais peut-être dû créer un service moi-même, mais honnêtement, flemme. Et Foreman Proxy. Non, Foreman Proxy, il est gentil. Ok. Il est gentil. Bref. Normalement, maintenant, je dois avoir mon port 8000 qui est ouvert. C'est surtout ça. Hop là. Est-ce que mon port 8000 est ouvert? Oui, mon port 8000 est ouvert. Et j'ai mon petit Nginx on Podman. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire... c'est je voudrais retenter la même chose mais avec une autre commande et ce serait système CTL. Allons-y. Hop, si je fais un petit système CTL start Nginx. Et je... Ah, en fait, il faudra peut-être que je fasse systemctl start, je suppose. Et là, je mets Nginx. Je suspecte hein, que ce soit comme ça. Et on va rebuilder le conteneur. Donc, bah non, faut que je retourne dans mon répertoire de... Tac, 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 tac. Donc, il l'a buildé. Maintenant, il va peut-être falloir que je fasse un podman stop mon ancien conteneur. Voilà. Non, c'était pas le build que je voulais. Jouer le run. Voilà. Ok. Il run. Alors la question c'est est-ce que ça tourne toujours? La connexion a échoué. Ah. Ah. Alors ce qu'on peut faire, je pense, et on va regarder ça tout de suite, c'est on peut peut-être tenter de la jouer comme dans... si je fais un podman run moins IT et que je lui donne l'ID de mon conteneur. Ça on l'avait vu quand on avait fait du docker. Ah non il tourne même pas en fait. Fichtre. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui il tourne pas. Parce que système CTL, une fois qu'il s'est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Bah le conteneur s'arrête. Est-ce que ça vaudrait le coup de chercher un peu ça, tiens? Si je fais docker start services docker container peut-être. Start service with systemd. Après tout auto start non mais je veux pas démarrer le running a container with systemd une option de persistance je parce que là je pense qu'il parle de faire tourner il parle de faire tourner voilà. D'utiliser des services systemd pour faire tourner des conteneurs, ça je sais déjà que c'est possible. Mais ce que je veux, c'est que mon... bon, j'ai pas l'impression que je vais trouver le... que je vais trouver mon bonheur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'y prendre autrement. Je vais revenir sur ça pour le moment. Et ce que je vais faire, et je vais rajouter git core dans un premier temps. Et ensuite, ce que je peux peut-être faire, c'est... je vais refaire ça. Voilà.
faire un build. Le moins IT, c'est pas la persistance, c'est le fait de pouvoir le mettre en interactive, je crois. Si j'ai bien saisi, hein. Juste, je vais quand même revérifier par acquis de conscience. T'as pas bien saisi ce que je veux faire. Alors en fait, ce que je voulais faire, c'est qu'au lieu de lancer bêtement la commande Nginx comme ça, je voulais la lancer via systemctl. comme quand tu fais sur une VM, quoi. Dis donc, il en installe des choses avec Git. Ouais, mais non. Ah. Pop. Ok, maintenant je run. Voilà. Là, il tourne. Et effectivement, c'est bon. C'est pas Enter par hasard. J'ai un doute. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. J'ai la mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche. Parce que je voudrais rentrer dans mon conteneur. Je sais que c'est possible. Ah oui. C'est Podman exec. Voilà. Voilà. Tu n'es pas spécialiste du Docker ou Podman, mais ça semble tendu de lancer une commande conteneurisée de systemctl. Bon, j'ai envie de croire que c'est jouable, mais bon, on va pas se bloquer dessus pendant 3 plombes. Là, j'ai réussi à rentrer dans mon conteneur. Je suis content. Ce que je voulais regarder, c'était qu'est-ce qu'il y a dans USR Share. USR Share Nginx. Et on a un HTML. J'ai pas écrit HTML comme il faut. Ah non. Nginx HTML. Voilà. J'ai un index.html qui vient d'ailleurs. 404.html. Non, ok. Powered by. Ok, soit. Alors, ce qu'on peut peut-être faire du coup, c'est regarder le truc d'origine. Et. Qui dit point 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 point. D'accord, donc en fait on fait sauter un. Ok, alors on va regarder un peu le Podman stop. Pas de soucis, Haribo, à plus. Stop et voilà. Ok, il n'y a plus. Alors, on va refaire un build. Ok. On refait le petit run qui va bien. Voilà. Donc cette fois-ci, si je reviens ici, hop. Juste Fedora Web Server Test Page. Ok, cool. Powered Fedora Nginx. Nickel. Très bien. Maintenant, si je tente un truc du genre. Si je tente un truc du genre. Run rm-rf. USR Share Nginx HTML. Hop. Étoile. Et que ensuite. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Voire même. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Je sais que ça rajoute des layers, mais... Tiens, d'ailleurs, on va peut-être enlever... Ouais, non, on va le laisser comme ça. Hop. Podman PS. Bon, ben, Podman stop.
Voilà. Nickel. On va rebuild. On va run à nouveau. Ok. Et... ok, j'ai mon Nginx on Podman. Et si maintenant je refais... d'ailleurs, pour aller peut-être plus vite, je pourrais peut-être faire un petit curl http 2./127.0.0. Je dis 0.0.0.1. Voilà. Oui, normal. 8000. Voilà, il me dit ça. Ok, cool. Maintenant, si je fais un petit podman ps, j'ai l'ID de mon conteneur. Voilà. Et si je fais le, si je fais un petit exec, hop, est-ce qu'il m'a bien purgé USR share Nginx HTML. Ouais, il me l'a bien purgé. Et ça, c'est cool. Parce que maintenant qu'il me l'a purgé, on va pouvoir faire run git clone. Ceci étant dit, which git. Git maman help. Ouais, git est installé. J'avais réussi à l'installer correctement. Git core, ok. Alors. J'ai un doute avec git. Est-ce que je peux lui donner un chemin sur le clone? Oh, remarque, je peux faire un CD. Hein. Hop, on va faire ça. CD. On va lui dire CD. Là-dedans. Non, on va peut-être me faire autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir lui faire récupérer, en fait. Je vais vouloir lui faire récupérer ce repo. On l'a déjà fait hein, dans le cas de Docker, je crois. Mais on va le refaire ici avec Podman. Dans l'optique. Oups, pardon. Hop. Ben non, j'ai paumé la fenêtre. Hop, voilà. On va essayer de lui refaire la même, mais dans une autre optique. Pas problème, show me the code. Show me the code, view code. Voilà. J'ai un répertoire content. Ok. Dans ce cas-là, on va peut-être pas s'embêter la vie. On va pas s'embêter comme ça. On va faire. Est-ce que j'ai rsync là-dedans? Commande notre farm. Bon, d'accord, ça va, j'ai compris. Voilà. Si je clone ça, ah, il me faut le répertoire, bien entendu. Hop. Mieux. Voilà. Not found. Pourquoi main content? Voilà. Je savais bien que... ok. Donc ce que je peux faire ensuite... je vais faire ça. Et ensuite, run... allez, dnf-y install rsync. Remarque, j'aurais pu faire un nv en fait. Plutôt que d'installer rsync avec des trucs en plus. Nv, alors si je fais genre nv tmp nanana content étoile dans usr share Nginx HTML. Donc il faudra que je fasse un nv-f. Et là, normalement, si je reviens ici et que je rafraîchis... ouais, ok, c'est cool. Effectivement, un petit CP. Un petit CP-f sera peut-être pas mal. On va faire ça, ouais. Allez. Run CP-a -af. De slash tmp
AnotherHomepage.org. Pas besoin de faire le git clone dans le répertoire HTML de Nginx. Oui, effectivement, bien vu. Faut aller dans TMP. Hop. TMP. Voilà. Content. Étoile. J'ai dit étoile. Et on va dans ce répertoire-là. T'as commencé à faire des choses, hein. Allez. Ensuite, Podman build. Alors, le must, c'est d'utiliser mktmp. Oui, effectivement. Effectivement, bien vu Manon. MKTMP avec un moins D de mémoire pour créer, parce que MKTMP te crée un fichier temporaire et MKTMP moins D te fait un répertoire temporaire. Découvert. Ah oh, tu sais, des fois il y a des choses, on les oublie, on les redécouvre. MKTMP, je le fais. Non, ça va, je l'avais pas oublié. Mais enfin, je l'avais pas oublié, mais j'ai pas forcément le réflexe. Mais là, dans le cas de figure qui est là, bon. A priori, pas à s'embêter la vie. Oh bah tu sais, je pense qu'on a tous encore beaucoup à apprendre. Ok, j'ai mon truc. Podman, image. Ok. Et hop, on va refaire un Podman. On va faire un run moins D. Voilà. Il est lancé. Enfin j'espère. Et il est là. Busy Allen, ok. Beaucoup de magnifique, bravo, bravo Manon. Toujours le bon mot pour rire. Et si maintenant je fais un curl, hop, voilà. Non, connection refused. Voilà, et là. Effectivement, il m'a envoyé tout ce qu'il me fallait. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Maintenant, la question que je me pose. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin? Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin et demander à Firewall D de me faire une redirection de port? Ça pourrait être une idée, non? Et a priori c'est possible. Alors, si je fais un sudo firewall-cmd. Alors, de ce que je vois dans la documentation que j'ai sous les yeux, forward-port égal, alors ce serait port égal 80, 2.proto égal TCP, et ensuite on aurait vers port égal 8000 tout LDR égal, et bah du coup ce sera on va dire 127.0.0.1, hein. Peut-être pas s'embêter la vie. Hop, alors je vais pas le mettre en permanent, mais si jamais je refais mon curl ici sans le 8000, curl fail connection refused. Ah,
Alors, si on le fait autrement. A priori, pas de s'embêter avec le ADDR. Success. Non, toujours pas. Il est toujours là, mon conteneur. Ouais, il est toujours là. Ah, peut-être que j'enlève le... Non, toujours pas. Est-ce qu'au moins mon... Est-ce qu'au moins j'ai pas désingué mon... Non, ça c'est bon. Pourquoi ça passerait pas? 800 au lieu de 8000 dans ma commande. Oui, effectivement. Alors du coup je me retrouve avec un... Est-ce que je peux retirer une forward rule? Ouais, remove forward, ok. Voilà. Ce sera mieux. Bien vu, Azram, hein, pour le 800 au lieu du 8000. Je l'aurais cherché pendant 2 heures. Donc le 8000, il marche toujours. Non, 80, toujours pas. Faire. Je dois avouer que là, ça me chiffonne. Je sais plus si c'est pas moi, est-ce qu'on avait les... Non. Il est toujours en train de tourner, ouais. C'est étrange ça. Je suis assez surpris de pas voir de port 8000 dans le... C'est quoi IRDMI ça? Ah, Rootless, si ce serait ça. Ah si, c'est ça, 8000 TCP. Ok, donc c'est bien ça. Donc on a bien le... Il écoute... Et en plus il écoute sur étoile. Si je reprends mon add pour, et que je lui dis ouais non je vois pas en quoi ça gênerait là de pas avoir mis l'adresse.
peut peut-être le retenter. Non. Nope, nope, nope. Et je suppose que si je le tente... si je le tente de mon côté... Non plus. Dans la doc Red Hat, il parle de Add Masquerade. Ah, on peut le tenter, effectivement. Non, là j'ai rien. Et non plus. Bon, bah alors, pourquoi on peut pas faire de... C'est chelou ça. On va aller demander à Stack Overflow. Il nous dit quoi? Il dit qu'il l'a bien redirigé. Le serveur n'écoutait pas sur la loopback interface. Bah ouais, mais dans ce cas-là... Enfin, j'avais bien un étoile de toute façon. Donc ça c'est de l'ipétable, ok. Firewall D. Ah, punaise, ça me dit un truc, ça. Ça me dit un truc, je crois qu'il faut activer un truc pour autoriser les redirections de port sur, sur localhost. Ah oui, c'est carrément une règle... Ouais, mais ça, c'est une règle ipétable. Ça doit être de la CentOS 7. Ouais, c'est de la CentOS 7. Avec une rich rule, ouais. Ok. Salut à toi Yoda. Ouais, j'avais un truc comme ça, genre Linux, port redirect, localhost. Il y a un truc à activer, je crois. Bah écoute, ça va plutôt bien, Yoda, et toi? Je crois qu'il y avait un 6CTL à activer. Bon, l'IP forward, normalement, il devrait être activé, je pense. Mais dans l'out, on va vérifier. Effectivement, ça peut être pas bête. Ouais, il est actif. Hop, je l'ai retrouvé. Voilà. Non, toujours pas. C'est pas ça. C'est chelou cette affaire. Ah bah oui, oui, retour au boulot, puisqu'effectivement, demain est un jour férié non chômé. À moins d'avoir posé sa journée, ou que la politique d'entreprise nous prenne une journée, selon les cas de figure. Je sais pas si ça se fait encore, d'ailleurs. Oui, pour l'anecdote, cette histoire, le 6CTL que je viens de mettre, c'était vraiment... Salut à toi, Xavier. C'est quand même dingue, ça, de pas pouvoir faire de port forward... C'est chelou ça.
Alors là, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir une blagounette aussi. Lui, il fait du port forward aussi. Il a quoi? Ah, c'est sur une workstation. Alors, IP forward, ça on l'a déjà. Et IPv6, mais c'est IPv6. SE Linux, c'est en force 0, what? Bugzilla, oh, on serait tombé sur un bug? Non. Closed won't fix, ça commence bien. En 2018, ils ont dit qu'ils ne feraient pas marcher le forward pour localhost. Ouais. Ah ouais, mais quand même. Ouais, puis là, il est là. Alors. Output support is a work in progress. Ouais, mais attends, ça c'était encore avec de l'IP table pour firewall day. Normalement, on est en F table maintenant. Oh, Azram, faut pas se moquer. Pourquoi tu rigoles? Ouais, voilà, IP table moins. Voilà. Donc je pense qu'il a été, il a été fermé en won't fix parce que sur, sur EL7, Firewall D est un front-end à IP table et pas à NF table. Et que comme il y a un, comme il y a l'air d'y avoir un workaround... Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, effectivement, c'est faire un truc comme ça. Est-ce qu'il aurait pas un... Ouais, non. Ah, parce qu'il est sur une CentOS 7, donc effectivement... Je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ouais, non, ça c'est encore de l'IP table. Parce que lui il avait IPv4, IP forwarding, mais ça je l'avais déjà mis. Enfin, je l'avais déjà mis. Mais je vais tenter cette en force 0. J'aime pas, mais on va le tenter. Non, toujours pas. C'est quand même dingue ça. No internet is a content. Alors Yoda, le souci c'est que j'essaye de faire de la redirection de port. Merci beaucoup pour le follow KW Samir Jap, pas de souci. Bienvenue à toi d'ailleurs. Yoda, le souci en fait c'est que j'essaye de faire de la redirection de port. Avec Firewall D, que là j'ai mon port qui est forwardé, j'ai le forward, j'ai le masquerade, et j'essaye de forwarder ça dans un conteneur podman. J'ai le podman PS qui est ici. Donc j'ai en fait un conteneur qui n'est pas en... La règle est sur ETL0, pas hello. Ouais, après j'avais un tout ADDR en 127.0.0.1, mais je pouvais ne pas le mettre. Pour toi, faut la mettre sur la loopback. Hein. Public target active, interface ETH0. Parce que si j'ai fait, si je fais un petit LSOF, le conteneur, il écoute en étoile. Ouais, mais du coup, la 127.0.1, elle... ok. Pop, 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 pop. Juste deux petites minutes.
plus de petites minutes. Pof. Report. On va report le spam. Spam. Voilà. Tac. Bot. Scan. Ouais, allez, hop. Hop. Fait ça deux minutes, hop, le temps de virer le spammer, voilà, ça c'est fait. Ensuite non, je ne vis pas du stream, je fais du stream pour le plaisir, donc j'ai bien un travail, je devrais dire c'est le stream qui est à côté du travail. Est-ce qu'avec un bonne question, se marie. Bonne question, et oui, effectivement, ça revient à ce que dit Yoda. Ça peut être une bonne idée de le tester. Si je suis en 192, 168.122.122, non plus. Et si je le fais en 8000, ça en 8000 ça passe, voilà. Mais là, comme ça, non, ça passe pas. Alors, Samir, je bosse chez un hébergeur infogérant. Donc, je suis dans une boîte tech. Non, c'est chelou quand même cette affaire. Non, pas OVH. Non, pas OVH. Je pense que je peux le dire, hein, de toute façon, vu que je l'avais déjà, déjà dit, mais je ne m'étendrai pas non plus pendant 20 ans sur le sujet. Je travaille actuellement chez NBS System. NBS-System. Vu que je l'avais déjà dit parfois, parce que je m'étais mis à me servir à un moment en stream du WAF Naxi, donc le but c'était pas de faire de la pub pour l'employeur, donc je signalais que voilà, j'avais beau être employé, c'était pas pour faire de la pub. Si tu passes par l'IP en .122, t'as réglé... Oui, effectivement, Yoda. Donc on va faire sauter la règle. On va faire sauter la règle, et on va la remettre... Hop, et on va faire un add port et on va enlever la... une fois que ça c'est fait, on peut retenter le... non, il en veut toujours pas. Là, ça marche. Et en 127.01, ça devrait marcher. Pas mieux, et 2.8000. Podman, qu'est-ce que ça vaut face à Docker? C'est une bonne question. En théorie, et d'après la page d'accueil du projet Podman, normalement, t'es censé pouvoir faire alias Podman égale Docker, et tout fonctionne pareil. Je pense que... Alors, ce qui est intéressant... ce qui est indiqué d'ailleurs sur la page d'accueil du site, c'est que en gros, en théorie, c'est sans démon. Donc normalement, t'as pas besoin de faire tourner un démon, alors que Docker nécessite qu'un démon soit lancé. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit sudo systemctl. Pipegrep, on va dire, pas Docker, Podman. Effectivement, je n'ai pas de démon Podman. Alors là, il y a quoi? Pourquoi ça tourne, ça? Ah oui, mais c'est le status, parce qu'il y a des trucs qui tournent. Ok. Mais si j'ai un système CTL, grep Podman, voilà. J'ai rien. Donc j'ai pas de démon qui tourne, ça là c'est juste mon conteneur actuel qui tourne.
Donc systemctl le voit dans le status. Donc oui, Azram, Podman est Demonless. En tout cas, il peut être Demonless, parce que ce qui est assez marrant, c'est que si je reviens ici, et que je fais un RP... non, si je fais, oui, si je fais un RPM... moins QIL... Non, il n'y a pas besoin d'être root pour lancer Podman. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, hein, tous mes history pipe grep Podman... enfin, même pipeless... Voilà, tous mes Podman, ils sont lancés sans sudo. On peut même faire vérifier d'ailleurs. Hop, grep sudo. Et à part, voilà, à part l'installation, j'ai fait quelques PS qui étaient pour vérifier si. Alors, dans le conteneur, ouais, tu peux être root. Tu peux être root dans le conteneur, tout à fait. Si je relance mon, mon exec, alors attends, Podman PS. Je récupère l'ID de mon conteneur. Et je fais un podman exec moins it là-dedans, bin bash. Voilà. Et là, où am I root. Echo dollar UID root 0. Donc c'est ce qui fait que... enfin, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Alors je sais pas s'il est avec Docker, habituellement on peut faire de la redirection de port, mais là je serais tenté de vouloir couper le podman et lancer une connerie en HTTP sur le port 8000. Enfin en HTTP, ouais, en HTTP sur le port. Alors podman PS, podman stop là. Là, quoi, il y a quoi dedans le Dockerfile ? Bon, ça va suffire. Si je fais un petit Python 3-m http.server sur le port 8000. Ouais. Tiens, je vais le mettre plutôt ici. Hop. Voilà. Donc là, si je fais un curl http... sur le port 8000, 127.0.0.1 2.8000. Donc il me donne un... Si je fais Dockerfile, ok, il me l'affiche. Maintenant, si je tente juste ça, non, il me dit rien du tout. Bon, alors curl moins 4, ok. Si je fais un 180.168.122.122, 8000, c'est bon. Alors, c'est qui derrière Podman? Je pense que c'est Red Hat derrière. Je pense, mais je... est-ce qu'ils disent des trucs sur qui... Parce que là, j'ai l'impression que ça, c'était les news... hop. Parce qu'il dit parle des conteneurs OCI. Project maintained by the containers organization. Autant pour moi. Je suis pas forcément. J'étais un peu. Containers organization. Après, il y a quand même quelques gens dans les. Il y a quand même quelques gens, voilà. Podman, Podman. Ah, tiens, il y a un Podman desktop. Je pense qu'en gros, la Containers Organization, ça c'est juste. Si je vais voir le guide, bah je suis dessus. Ah, tu veux dire directement dans Podman. Hop, il est où? Il est là, le Podman. OpenShift merge robot. Ouais, bon, quand je disais que c'était du Red Hat derrière...
Workless, OCI Project. Builda, Podman Relationship, Podman Hello, Podman... Ouais, bon. Mais si on va regarder dans les commits, à mon avis, voilà. Merge robot OpenShift. Mais bon, je serais pas surpris que c'est... Oui, c'est essentiellement maintenu par Red Hat, je pense. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, parce que là, il y a une release 3.0.2 sur leur sur le GitHub. Mais Podman has gone 4.1.0. Bon. Bref. Comment ça se fait que j'ai un... Donc même si j'ai pas est-ce que Docker risque de perdre sa place de numéro 1? Je n'en ai pas la moindre fichue idée, pour être honnête. Et je pense qu'en fait c'est ça va dépendre. Ça va dépendre. Je pense pas que Docker va te perdre de la vitesse de sitôt. Parce que ça reste quand même ceux qui sont arrivés un peu les premiers. Et à moins que... comment dire? Enfin, je... Non, je pense pas que ce soit... Mais je serais pas surpris que Podman soit là pour un petit moment aussi, quand même. À la limite, j'aurais même tendance à dire je suis plus... comment dire? Je suis plus inquiet pour la santé de l'entreprise derrière Docker que pour Podman. Parce qu'aujourd'hui, derrière Docker, c'est une entreprise. Alors, bon, bien entendu, ils vendent des services. Ils ont certains produits basés sur Docker qui sont payants. Mais est-ce que ça suffit à les tenir à flot? Et est-ce que ça suffira? Je sais pas du tout comment ça se passe, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait eu une... il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois. Enfin, on me corrige si je me trompe, hein, dans le chat. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait eu des changements de tarifaires sur certains produits. Donc quand t'as des augmentations de prix ou des modifications qui ont pour but très clairement d'augmenter les revenus, on peut se poser des questions. Alors, soit ils sont plus gourmands, soit il faut garder le navire à flot. Ah bah s'ils recrutent toujours des profils, oui, c'est que ça va. Et tant mieux pour eux, à la limite, c'est tout ce que je leur souhaite. Hein. Donc, j'ai un serveur HTTP qui tourne sur le port 8000, qui tourne sur tout. Et ma redirection de port marche pas. Alors, vu que je pense avoir fait quand même quelques merdouilles avec, avec le firewall là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et je vais rebooter la VM. Hop, t'es où VM? Podtest running déjà? Ah, il entend, non, il n'a pas fini. Hop! Donc, ça, si je tente un curl, ah bah non, je vais pas le mettre, zut, je vais dans, hop, ici, je relance ça, si je fais un curl en HTTP 127.0.0.0,
0.0.0.2.8000. Ok, ça c'est bon. Alors, forward, yes, masquerade, non. Donc j'ai pas mon forward de port, donc ça c'est... J'ajoute le forward de port. Et si je refais mon cœur, là, bon, bah, le cœur habituel, celui-là fonctionne. Celui-là fonctionne pas. Et en 127.0.0.1, je l'ai pas non plus. Ok. Si c'était elle, moi. Allez, grep forward. Hop. Ah, l'IP forward est à 0. Tiens, l'IP forward est à 0. Non, toujours rien. Fichtre alors. C'est un peu ennuyeux ça. Parce que sinon, là, la seule option que je vois, c'est de faire tourner le conteneur en tant que route et de le faire tourner directement sur le port 80. Ce qui est un peu dommage, en fait. Ce qui est un peu dommage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser encore un petit peu, peut-être 10-15 minutes. Et via l'IP LAN. Ah oui, excellente question. Nope. Nope, nope, nope. C'est quand même chelou cette affaire. Pourquoi ça marcherait pas du port forward sur... Je vous avoue, je trouve ça assez étonnant que ça marche pas, en fait. Même avec surtout qu'en plus, juste par précaution, est-ce que Firewall D est bien activé? CTL status firewall D. Firewall D active running, ouais. Alors peut-être qu'on va aller traîner dans les logs. Non mais enfin tu savais en IP table. Ah Yoda tu. Ah tu penses que. Mais alors attention là c'est du NF table, hein, c'est plus du IP table. Il n'y a pas de soucis Manon et non ça marche toujours pas. En IP table, quand tu requêtes sur loopback, ça passe pas par la table forward. Ah. Alors, je sais qu'il y avait une, il y avait un 6CTL à activer justement pour ça, pour faire du forward sur la loopback, mais c'est quand même chelou cette affaire. Controlling traffic networks. Parler comme parler comme Yoda je puis mais un mal de crâne tu risques d'avoir. Ouais c'est vrai qu'à la longue c'est un peu c'est une fois que le filtre BZH s'applique à Yoda ça remet tout dans le bon sens. Pas mal. Alors ce qui est marrant, c'est que la doc sur Fedora Project, elle dit juste hey, « Eh, au fait, vas-y, on peut ouvrir un port, on peut fermer un port, mais... Mais faire du port redirect, visiblement, c'est quand même dingue, ça. Firewall D... Je sais pas, moi, Fedora port redirect... ça avec DuckDuckGo. Ça, je l'ai déjà vu. Est-ce que Fedora, on l'a vu, IP table, bah non, c'est Fedora 21. Firewall D, cheat, mais ça, j'ai peur que ce soit TechMint.
CentOS 7, bah non, c'est trop vieux. Forward, Hostport ou Docker Container. Nixcraft. Introduction à FireWall D. Ouais, ok. Et ensuite, redirect. Non, j'ai pas de redirect. Ah, bah alors hein. Ouais, lui, il ajoute des rich rules, mais ça, c'est des... Source adresse, porte et... Ouais, non, ça c'est... Ok. Ouais, bon, là, après... Hop. RHEL 3, 4, 5 et 6. Voilà, non, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, impeccable. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est quand même complètement dingue. Je suis surpris qu'on n'arrive pas à faire du port forward avec Firewall D. Enfin, c'est... CentOSFAC.org. Oh, leur nom me... Est-ce que je peux tester depuis une autre machine du même LAN? Bah écoute, je peux tester. Alors, je peux tester effectivement depuis ma machine qui est là, puisque c'est une VM. Je peux faire un curl en HTTP 192.168.122.122. Non, pas 800, 8000. Donc le 8000, on est bon, on l'a. Je peux même aller jeter un œil au Dockerfile, comme ça. Voilà. Et par contre, si je le fais juste comme ça, il me dit ok, oh d'accord. Ok. Ouais. Soit. Mais directement depuis la machine, ça passe pas. Alors. J'ai mon directory listing ici. Ok. Bon, après, il me le fait télécharger, ça c'est pas très malin, mais bon. C'était pas ça. Il faut que tu arrives à faire fonctionner. Non, mais Azram, à la limite, si ça fonctionne pas en local, l'intérêt pour le coup, c'est... Tiens, vous voyez en plus l'IP, voilà, je suis dans le LAN libvirt. En IP tab, si tu viens d'extérieur, pré-routing. Ouais, alors ça s'applique encore en NF tab, ce genre de choses-là, Yoda? J'ai un doute, hein. Mais je serais pas surpris qu'avec les histoires d'interface et de la manière dont c'est... parce que si je fais un sudo IP ADDR show... Non, j'ai juste un ETH0 là. J'ai pas de hello. Enfin si, j'ai un hello, mais j'ai pas de... Je pensais à des bridges éventuellement qui seraient lancés dynamiquement, mais non. Alors, on va couper ça. Et puis on va faire un podman. On va faire un run. Hop. Je pensais plutôt à faire un -D, voilà. Ah mais je t'en prie, Azram, fais des tests. Ok, donc là maintenant j'ai Podman PS. Donc là j'ai bien un truc qui tourne. Et si je reprends ça, normalement je devrais avoir... Ah bah oui, ça fonctionne. Ok, bon. Et ben... Alors attends, par contre, il y a un truc que... Est-ce que j'avais rajouté... Est-ce que j'avais rajouté un forward? J'avais rajouté l'IP forward. Je vais rebooter à nouveau, juste par précaution. Hop.
Et puis on va voir si sans le forward ça passe ou pas. Et on démarre. Ce sera le dernier petit test et puis je pense qu'on en restera là. Ça fait déjà 2 heures, bientôt 2h15. Hop là. Ah bah non, pas timide ça. Hop, je fais un petit run. Hop. Voilà. Podman PS. Donc j'ai bien ça. Donc là, je reviens ici. J'ai mon Firefox. Là, il est sur le port 8000. Donc là, vous voyez bien le... Mais non, c'est pas ça que je... Ah là, je pouvais pas vous montrer mon Instagram. Mais si je reviens ici... Ok, ça passe. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que... Non, c'est 6CTL. 6CTL moins A forward. Parce que je le mémorise pas toujours très bien. Hop. Et le IP forward est à 0. Ok. Donc il n'y a pas besoin de l'ajouter. A priori, si je refais un petit list all au niveau de mon firewall, firewall D, donc j'ai juste ça et j'ai ouvert les ports qui vont bien. Enfin, je pourrais peut-être tenter d'éviter d'ouvrir ça directement et créer mes propres services. Ce sera peut-être plus propre. Ce sera peut-être plus propre. Mais voilà. Bon, au moins, ça fonctionne. On a au moins ça qui tourne. On a pu faire du port redirect, donc c'est cool. Ça, c'est très cool. Parce que du coup, on va pouvoir, par exemple, je sais pas, moi, mettre un reverse proxy, des trucs comme ça. Mais la première étape d'avoir un premier site statique qui tourne dans un conteneur Podman, eh ben, on peut faire une petite croix là. Hop, check. Ça, c'est bon. Mais c'est que le début parce que maintenant j'ai envie d'aller rajouter des confs particulières dans Nginx, ce genre de choses là. J'espère en tout cas que ce premier débroussaillage avec Podman vous a intéressé. Je pense que je vais continuer à faire joujou avec des conteneurs pendant encore quelques dimanches. Je vais pas forcément vous dire ce que j'ai derrière la tête parce que si jamais pour une raison ou pour une autre je lâche l'affaire, ça va être embêtant, mais j'aimerais essayer de continuer à creuser, de voir certains trucs comme justement mettre des confs particulières dans les serveurs web, pourquoi pas rajouter du PHP, du MySQL, enfin du MariaDB, ce genre de choses là, et voir un peu mettre plusieurs conteneurs, leur faire parler entre eux, ce genre de choses là. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser pendant un petit paquet de temps comme ça, et puis au fur et à mesure d'augmenter un peu la difficulté, les outils, ce genre de choses. Voilà pour ce soir. Je vais du coup vous laisser pour cette fin de week-end. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver les jeudis de 20h à 22h. En ce moment, on fait du HomeLab as code, c'est-à-dire que j'utilise des outils d'infrastructure as code et de gestion de configuration. Principalement actuellement Terraform, Cloud Init, même si je pense qu'on va pas tarder à passer avec de l'Ansible en prime, pour monter un labo réseau sur une machine, tout en machine virtuelle, avec KVM et Birt. C'est le projet actuellement des jeudis soirs, et le dimanche, et ben voilà, c'est cette nouvelle série sur les conteneurs qui démarre et qui, je l'espère, vous intéressera tout autant. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord dont l'adresse est en dessous et pourquoi pas aussi sur la chaîne YouTube où vous retrouverez quelques anciens VOD de mes lives. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de week-end. Pour celles et ceux qui profitent du jour férié demain, et ben profitez bien de votre week-end la rallongée. Pour les autres, courage, vous inquiétez pas, c'est un lundi comme les autres. Et bonne soirée, bye bye.